j'ai commencé par une seconde générale après ma troisième. Et rester en cours, ça me plaisait pas du tout. Il fallait que je bouge. Et j'avais une copine qui était déjà en tant que peintre. Donc j'ai décidé de faire un stage de peinture de 3 jours, donc chez un peintre. Ça m'a plu directement, donc par la suite, après ma seconde, j'ai décidé de faire un BEP au lycée professionnel Fraissinet à Saint-Brieuc. Et donc j'avais des super notes, enfin, ça me plaisait tout de suite. Donc par la suite, j'ai voulu continuer, je voulais pas m'arrêter à un BEP. Donc acquérir plus de connaissances, quoi. Donc je suis allé au CFA à Plérin. Donc j'ai fait un brevet professionnel en alternance, donc ici, dans mon entreprise. Donc c'était 3 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA. Et c'est là que ça m'a permis d'en apprendre tous les jours sur mon métier, quoi. Donc ouais, ça a pris 2 ans et ensuite, direct après mon apprentissage, j'ai été embauché en CDI, quoi. Alors par la suite, j'aimerais davantage être chef d'équipe et pourquoi pas aussi être maîtreur en fait, donc être un ou deux jours en bureau à faire des devis, des maîtrés et tout ça, et le reste du temps en application, quoi.